jour historique à la paroisse Saint-Marc de Cuy de l'archidiocèse de Yaoundé, ce 26 juin 2022, qui reçoit la visite de Mgr Julio Murat, nonce apostolique du Vatican au Cameroun et en Guinée équatoriale. L'hôte de marque est accueilli avec déférence par de nombreux invités, les autorités traditionnelles, les responsables paroissiaux, les différentes associations chrétiennes, une foule de fervents fidèles dynamiques ouvriers de l'avancement de l'évangélisation au sein de la dite paroisse, au rang desquels Joseph Betty Assomo, par ailleurs ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense, l'abbé Jean-Claude Ekobena, curé de la paroisse. Lumière de l'évangile de Saint-Luc au chapitre 9, versets 51 à 62, le nonce apostolique conforte la foi chrétienne. Mais l'Église, c'est vous, c'est la communauté chrétienne vivante qui croit, qui prie, qui sait, qui se soutient. Voilà le cœur que nous pouvons louer le Seigneur. Vraiment, je vous remercie de votre foi, de votre prière. Grand moment riche en émotions pour cette paroisse jeune de l'archidiocèse de Yaoundé. Parce qu'il n'y avait pas d'espace, il n'y avait pas de lieu pour pouvoir célébrer la messe. On nous a offert son complexe comme ça pendant un ou deux ans, tout simplement. J'ai voulu donner comme saint patron, Marc, parce que l'accueil, nous, ça nous a frappé. En cette journée mémorable, Mgr Julio Murat encourage les fidèles de la paroisse Saint-Marc de Cuy à la persévérance dans la foi chrétienne, gage de bénédictions multiples. En 40 ans de sacerdoce, je n'ai jamais eu à accueillir un nonce, c'est ma première fois. Et combien de fois pour cette jeune communauté, n'est-ce pas? C'est pourquoi c'est un moment de joie pour nous. Cette visite va permettre à mes paroissiens d'aller de l'avant, parce qu'ils sont persuadés qu'ils font une œuvre d'église. Et c'est pourquoi c'est une grande joie pour nous. Docteur en droit canonique d'origine turque, la venue de Mgr Julio Murat, nonce apostolique du Vatican au Cameroun et en Guinée équatoriale, ce 26 juin à la paroisse Saint-Marc de Cuy, donne un nouveau souffle à cette communauté chrétienne.